Bonjour à tous les Blanquettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur Dragon Ball Legends, je vous propose un petit guide pour créer et optimiser ces teams. Même si pour l'instant, le pool des personnages n'est pas hyper vaste, mais on va essayer de faire avec les moyens du bord. Si tu as raté ma première vidéo, guide débutant, je t'invite à cliquer sur le bouton i en haut à droite, ça sera plus simple pour moi, pour cette vidéo, parce que je pense qu'il faut quand même bien comprendre les bases pour ensuite commencer à composer ces teams. Donc comme j'ai dit, il n'y a que 32 personnages pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas un pool extrêmement large. En même temps le jeu est en soft launch, je rappelle que soft launch c'est pas la vraie version. C'est-à-dire qu'en fait pour l'instant, c'est comme, si tu veux, c'est comme une version bêta, hein. J'ai vu ça sur South Park Phone Destroyer. Il y a encore quelques bugs à droite à gauche, il n'y a pas 36 000 choses à faire, et puis le mode histoire s'arrête très très vite. Alors, pour la composition d'équipe, je vais revenir rapidement sur certains points clés. Donc là je vous montre ma Team Saiyan qui est quasiment utilisée partout, et encore une fois comme je l'ai dit, si tu regardes la liste des personnages, j'ai juste invoqué pour les rerolls, j'ai pas invoqué, ah si j'ai fait tous les jours une single, c'est vrai. La petite single du désespoir, mais en même temps la single est à 20. 20 chrono cristaux, donc ça vaut le coup. Donc j'ai quasiment une bonne partie des personnages, hein. Il m'en manque, alors lui il compte pas, hein, parce que il est là mais on peut pas le dropper, hein. Il m'en manque 2, 4, 5, non 6, voilà c'est bon, 7, j'avais oublié le nappa. Donc il manque 7 personnages. Donc là moi je vous conseille clairement de, une fois que vous avez reroll, n'invoquez plus, hein, les gars, hein. Faites votre single tous les jours si vous voulez, mais faites plus de multi, ça ne sert à rien. Parce que très vite vous allez voir qu'ils vont, proposer d'autres personnages. Donc là tu seras bien content d'avoir packé des cristaux. Donc les amis, il est important de comprendre comment fonctionne le système d'équipe dans le jeu. En fait, comme j'ai dit lors de ma vidéo guide pour les débutants, tous les personnages possèdent une capacité Z. Pour les joueurs sur Dokkan Battle, je le rappelle, c'est l'équivalent de la compétence leader. Donc ça s'active peu importe si le personnage se trouve ou non sur le plateau en train de se battre. Et là ça va même aller plus loin, même si le personnage ne se trouve pas parmi les trois personnages qui vont faire partie de la première ligne, ça va quand même s'activer. Chaque team est composé de 6 joueurs, enfin de 6 unités, donc il y en a 3 qui vont être en première ligne et 3 autres qui vont être en arrière ligne. Les trois unités qui sont en arrière ligne, leur capacité Z vont quand même s'activer, ça c'est très très important. En fait, c'est juste la traduction qui fausse un peu le truc, parce que là t'as l'impression de lire lors d'un combat, en gros, si cette unité ne figure pas sur le combat, son passif ne veut pas s'activer. Bah si, en fait il va s'activer tout le temps, qu'il soit en première ligne ou en seconde ligne. Donc ici Vegeta que je mets en première ligne, je vais juste vous remontrer la team. Donc là j'ai fait ça, mais en fait vous pouvez très bien changer l'ordre, peu importe, mais pour moi c'est plus simple. En première ligne je mets ces trois personnages, en seconde ligne je mets ces trois personnages. De toute façon en fonction de l'adversaire vous pouvez très bien changer. Là par exemple j'affronte un mec et le mec il a des unités qui contre, je sais pas moi, mon Vegeta, bah je vais plutôt faire tac tac tac, tu vois. Je peux très bien changer les trois unités que je vais mettre en première ligne. Donc ici j'ai appelé la team Saiyan parce qu'en fait ils ont tous des boosts qui impactent les Saiyans. Bon, Piccolo c'est pas un Saiyan, je le conçois, mais bon il a des très bonnes stats, c'est un très bon tank, c'est le seul tank qui peut soigner d'ailleurs, donc on le veut, c'est pour ça qu'il est God tier pour l'instant. Mais bon je pense qu'elle va être très très vite dépassée parce que bon on est au début du jeu, hein. Donc revenons sur notre explication des capacités Z. Donc voilà, ça c'est la compétence leader qui s'activera tout le temps. Ça c'est la compétence, c'est le passif qui va s'activer que lors des combats. Ça c'est très important. Alors oui, il y a vraiment une différence entre les deux. Là ça s'active tout le temps, ça s'active que lorsque le personnage se trouve en combat. Et donc ici le Vegeta augmente 18% l'attaque d'énergie de base des classes Saiyan. Alors classe Saiyan c'est quoi? En fait chaque personnage, tout en bas là sur les stats, tout en bas c'est indiqué, ici il marque vignette perso. C'est n'importe quoi. La traduction, elle est un peu mi-fig, mi-raisinx, hein. Donc, Vegeta fait partie de la classe Armée de Freezer et Saiyan. Donc, ici, ma compétence va activer, enfin, va booster les unités de la classe Saiyan. Donc, ça va augmenter moi-même, enfin, je vais augmenter moi-même 19% mes attaques d'énergie. Donc, les attaques d'énergie, c'est les attaques de ki. Donc ici ça va être augmenté. Alors faut pas faire attention à boost. Un boost en fait c'est lié à l'arbre de compétences. En fait vous pouvez augmenter vos stats grâce à un arbre de compétences. J'en ai pas parlé parce que pour l'instant je trouve que c'est pas hyper... Bah si c'est important, mais
On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, parce que bon, je vais essayer de séparer les choses. Donc là, faut pas prendre en compte ceci. C'est pas ça qui, enfin, c'est pas le résultat du passif du personnage. Hein, non, rien à voir. Donc là, en fait, en combat, ça va être augmenté. Donc ici, c'est les attaques d'énergie qui va être augmentée. Ça, c'est cette stat qui va être augmentée. On check ensuite. Oula, je suis allé trop vite. Ensuite, on check ensuite Raditz que je mets en arrière ligne. Raditz, qu'est-ce qu'il fait Raditz, qui est farmable actuellement. Il augmente de 12% la force max de base des classes Saiyan. Donc tous les Saiyan vont obtenir 12% sur la force max. Alors force en fait, encore une fois, on se trouve dans la traduction mi-figue, mi-raisin, mi-pomme de terre. Force en fait c'est les PV. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis force. Donc ça n'a rien à voir avec les muscles, c'est juste tes PV. Donc là, ça va augmenter tes PV de 12%. Enfin, toutes les unités de la classe AN vont avoir un petit boost de 12%. Donc ça, c'est cool. Plus de PV, plus on a de PV, mieux c'est. Hein. C'est pas mal. Ensuite, le Goku que tu récupères dès le début du jeu, quand tu reroll, t'es obligé de l'avoir. C'est la première single, en fait, que tu vas récupérer. Très bien, en plus, c'est une carte extrême, donc ça fait plaisir. Capacité Z. Augmente de 10% de l'attaque physique de base des classes AN. Donc très bien, attaque physique, c'est mince. Attaque physique, c'est ici. Là, paf, ça augmente toutes les attaques au corps à corps. Mince. Next. Et puis, Charlotte, pareil, personnage de base que tu as dès le début. Hein, c'est ton personnage du mode histoire. Qu'est-ce qu'il fait capacité Z. Augmente de 10% la force max de base des classes AN. Donc, ça a augmenté tes PV. Donc, tu vois, ça s'accumule 10% ici, 10% ici. Alors, je sais pas si ça s'additionne l'un après l'autre ou est-ce que ça s'additionne comme sur Dokkan Battle tout en même temps. Comme les doubles leaders sur Dokkan Battle, je pense que ça s'active en même temps. Donc là, en théorie, j'ai 20% de boost au niveau des PV, donc ça c'est pas mal. Et ça va impacter tous les Saiyan. Donc tac 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 tac. Le Goku, qu'est-ce qu'il a? Le petit Goku, le Sparking. Alors, capacité. Lors d'un combat, augmente de 10% l'attaque physique de base des classes Saiyan. Tu vois. Beaucoup de boost, hein, boost au niveau de l'attaque physique, ça va impacter tous les Saiyan. Donc, en gros, là, ma team, elle a plus de PV, elle a plus d'attaque physique et elle a plus d'attaque de ki. J'avoue qu'en fait, c'est la seule team du jeu en fait. c'est con, c'est juste qu'en fait, parce que ça synergise super bien. Et en fait, je pense que à terme, ça sera extrêmement important. De bien choisir ses unités dans ces différentes teams parce que il y aura des unités qui vont pas servir pour le combat mais qui vont servir juste à augmenter les stats des autres. Là j'aurais pu par exemple mettre à la place d'un des Saiyan Topai Pai qui est pas dégueu parce qu'en fait Topai Pai il augmente le coup critique. Le coup critique ça augmente les dégâts de 20-25%. Ah je l'ai pas. Ah tiens donc. Ah bah tiens donc, je croyais que je l'avais. J'ai trop reroll en fait, quand sur mes rerolls je l'avais droppé. Et là comme par hasard il est là. Putain foiré. Sur mes rerolls combien de fois j'ai droppé celui-là. Capacité Z, donc il augmente 20% les coups critiques de base des attributs violets. Alors oui ça impacte pas tout le monde, ça impacte surtout Vegeta. Vegeta à qui tu donnes 20% de chance de crit supplémentaire. C'est une machine de guerre, c'est une machine de guerre en fait. Bon, en même temps, j'ai pas envie de focus que sur Vegeta, même si Vegeta c'est vrai que c'est un monstre ici, mais voilà, j'ai envie de booster les stats de tout le monde. Une autre team que je peux vous proposer, c'est pas vraiment une team complète, c'est plutôt une synergie entre deux personnages. En fait, Tenshin Han et Shaozu fonctionnent très bien ensemble. En même temps, tu vas me dire, bah oui, bah si t'as lu le manga, c'est assez facile de comprendre ça. Et ça, c'est cool, ils ont fait des bonnes synergies en rapport avec le manga. Donc, par exemple, Tenshinhan, qu'est-ce qu'il a? Capacité Z, augmente 10%. Alors, c'est pas important, c'est pas la compétence leader qui est importante, c'est plutôt là. La compétence, enfin, les passifs. 50% il réduit 50% les dégâts de techniques spéciales Kamehameha et Super Kamehameha. Ok, ça c'est. Non, c'est ça, ouais, c'est Shaozu. Vengeance Shaozu. Quand Shaozu décède, il va augmenter 25% des dégâts des attaques physiques. C'est beaucoup, 25%. C'est énorme. Le Shaozu qui fonctionne aussi du coup très très bien avec le Tenshin Han. Alors, capacité. Compétence leader, 17% des dégâts infligés par l'auto. Ah, d'ailleurs, c'est la seule unité qui possède un art supplémentaire, l'autodestruction. Il va faire beaucoup de dégâts à un adversaire. Compétence spéciale. Augmente 5% les dégâts infligés par l'autodestruction si Tenshin Han fait partie des combattants de l'équipe.
Par contre, je crois qu'il faut que Tenshinhan se trouve sur la première ligne. Donc, il faut que tous les deux se trouvent en combat. Du coup, voilà, ça va être. Enfin, il va one shot n'importe qui. Enfin, si tu augmentes un peu ses stats, il va one shot n'importe qui. Hein. Donc, c'est un peu un. C'est pas un ouf de base. Adieu, Tien. Tire la carte d'éveil d'autruction au tour suivant. Condition 20 secondes. Okay. Mais c'est un monstre. C'est un monstre en termes de dégâts. Si tu le mets à côté de Tenshinhan. Bon, j'ai mis un autre Tenshinhan, celui qui est farmable actuellement. Il a aussi une synergie que Shaozhou augmente de 15% les dégâts des attaques physiques si personnage Shaozhou fait partie des combattants de l'équipe. Bon voilà, c'est tu mets avec le Shaozhou, voilà, ça va être une tuerie. Ah tiens, j'ai oublié de parler d'un truc assez important. Les compétences Z en fait évoluent. Enfin les compétences, oui c'est ça, les compétences Z évoluent. Voilà, tu vois que j'ai les compétences Z, enfin la capacité Z niveau 2. En fait, tu as plusieurs niveaux. À 3 étoiles, tu as le niveau 2. Enfin à 1 étoile, tu as le niveau 1. À 3 étoiles, tu as le niveau 2. À 5 étoiles, tu as le niveau 3, etc. etc. Je crois que ça s'arrête à 7 étoiles, si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai vu des gens avoir 7 étoiles déjà. Il y a des gens qui ont vraiment pas le temps, parce que c'est quand même très très long, il faut dropper beaucoup de doublons. Donc, plus tu as d'étoiles, plus ça va augmenter leur compétence leader, donc leur capacité Z. Alors, c'est vrai que ça va être. Enfin, je vais avoir du mal, hein, vu que je viens de Dokkan Battle, de dire capacité Z. J'ai souvent dire compétence leader, mais bon, c'est un peu la même chose. Mais en même temps, je trouve que la traduction elle est pas ouf. Enfin, la traduction. Je trouve que la traduction elle est correcte là au niveau de la Z ability, mais c'est juste qu'en fait, pour comprendre, je préfère utiliser le terme compétence leader. Oui, t'as aussi une team Ginyu qui se profile, même s'il manque pour l'instant un petit Ginyu des familles. Mais Ginyu sera disponible bientôt, je pense, hein. Parce que tous les membres de la team Ginyu synergisent très bien ensemble. Hein, on regarde 18% défense physique, classe commandant Ginyu. Coopération réduit 5% le coût des arts physiques si un classe commandant Ginyu fait partie des combattants de l'équipe. C'est comme sur Dokkan Battle. Hein, les mecs ils vont très bien synergiser ensemble. Pour l'instant, on ne peut pas aligner une team complète parce que voilà, il n'y a que 4 unités. Idéalement, ça serait bien d'en avoir 6. Capacité Z, 18% attaque physique classe Ginyu, ça va être n'importe quoi. Bon après c'est pour l'instant ce sont des cartes héros, donc c'est des R, hein, c'est l'équivalent des R. Mais avec un bon petit leader genre Ginyu là, je pense qu'il y a moyen de faire en sorte que cette team soit extrêmement puissante. Moi je trouve ça fun, hein, ce genre de composition d'équipe. Augmente 18% la défense d'énergie, c'est n'importe quoi. Ils ont pas, c'est vrai qu'ils ont pas des stats de ouf, mais si t'actives tout ça. Bah ça commence à être intéressant en fait. Si tu actives tous les boosts là. Donc là il manque Ginyu et je sais pas si on pourra aligner un autre Ginyu. Et Jace, 18% attaque d'énergie. Bon bah en gros ça va booster les 4 là. Je pense que Ginyu va peut-être augmenter le critique ou la régénération. Ou les PV, ou la force. C'est dommage qu'il n'y a pas de Ginyu pour l'instant. Je sais que j'ai cru voir qu'on aura bientôt un Ginyu extrême. Alors c'est peut-être un fake ou j'ai peut-être bugué, mais il me semble qu'il y a un Ginyu bientôt disponible. Donc voilà, comme j'ai dit, on est encore début du jeu, on n'a pas 36 000 choix de composition. La meilleure team possible pour l'instant, voilà, c'est la Saiyan. Après, on peut faire des variantes. On peut utiliser par exemple, à la place d'un des Saiyan, on peut utiliser, comment il s'appelle, Un Nappa, le Nappa, je crois que c'est le Nappa jaune qui booste un peu Vegeta. Capacité. Augmentation des 10% des dégâts infligés contre les attributs. Non, c'est pas. Ah non, c'est plutôt en combat. Coopération avec Vegeta. Il augmente 10% des dégâts d'attaque d'énergie si Vegeta se trouve dans la team. Et attends, c'est l'autre Nappa peut-être qui augmente. Il y a l'autre Nappa. L'autre Nappa qui est rouge, voilà ici, l'extrême. Alors les cartes sont vraiment jolies, hein. Même si je suis pas hyper fan du personnage. Attribut jaune, pareil, coopération avec Vegeta. 20% les dégâts d'attaque physique si le personnage Vegeta se trouve parmi les combattants. Donc voilà, il faudra l'utiliser en combat. C'est juste dommage que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas 36 000 synergies possibles. Hein. C'est vrai que le pool des personnages est assez bas. Lui, c'est un Gohan, enfin ce Gohan fait partie des 100 mêlés, de la classe 100 mêlés. Voilà, ça s'appelle Saiyan métissé. Je crois qu'il y a une compétence qui booste les métisses, hein, et ça impacte Pan. Donc en fait, lui par exemple, on peut le jouer avec. Alors comme je l'ai pas, je peux pas vous le montrer, mais il synergie bien avec la panne,
La panne que j'ai droppé. Du coup, j'ai 4 sparking sur 5. C'est pas mal du tout. Donc, elle, c'est comme c'est indiqué ici, elle fait partie de la classe Saiyan Métis. Malheureusement, sa capacité Z n'impacte que les blanquettes, donc la classe guerrière qui n'est pas encore disponible. Hein. C'est la seule. Donc on peut s'attendre très prochainement, les amis, à une C18. Oh, une C18 avec ses illustrations, ça va être magnifique. Une C18... peut-être l'autre, la Ribérienne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme blanquette Toa et qu'est-ce qu'il y a comme putain, j'ai un trou de mémoire. Chichi, Bulma, etc. Donc voilà. Pour l'instant, on n'a pas tant mis le choix. La meilleure team possible, je pense. De toute façon, en PVP, on voit que ça. Hein. En PVP, on voit beaucoup de compositions autour des Saiyans. Hein. Après, bon, de temps en temps, on voit des gens qui jouent avec le Shaozu et Tenshinhan qui font beaucoup. Enfin, la synergie est quand même violente. Hein. Il fait beaucoup de dégâts. Le commandant de Ginyu, bon, là, j'ai vu personne le jouer parce que. Bah, déjà, il faut monter vraiment leur nombre d'étoiles. Donc, il faut dropper beaucoup de doublons. Pour l'instant, on n'a pas d'autres possibilités pour monter leur nombre d'étoiles. Actuellement on peut monter l'étoile de celui-ci, du coup c'est pour ça que la Team Saiyan est vraiment au-dessus quoi. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez compris le système de création d'équipe, il est assez fun. Je pense que l'avenir du jeu et surtout l'intérêt d'invoquer se trouve ici, dans les synergies avec les différentes capacités Z. J'espère qu'on aura rapidement plus de personnages. Je sais qu'il y a un Trunks et un Broly qui vont pas tarder à arriver. Parce que voilà, lui il fait partie des Super Saiyan et je crois qu'il est tout seul. Il est tout seul avec de la catégorie. C'est dommage qu'on puisse pas cliquer dessus et voir la liste des unités qui rentrent dans cette classe. Voilà, pour l'instant c'est le seul Super Saiyan. Ah tiens, oui, il y a une synergie marrante avec lui et Krillin. Pareil, je trouve ça génial. Si Krillin se trouve dans ta team, sur la première ligne, s'il meurt, ça va augmenter de 35% les dégâts d'attaque d'énergie. C'est énorme. 35%, il va... Ça va être un stromon. Hein. Après, est-ce que ça vaut le coup de ramener un Krillin pour le faire mourir? Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment pas mal. C'est-à-dire que, imagine, je sais pas, tu ramènes Vegeta et Goku et Pequan, et je sais pas... au bout de X tours, Vegeta et Goku peuvent fusionner et deviennent Gogeta. Ah, ce serait énorme, ça. Ce serait vraiment en termes de. J'avoue que je kifferais de ouf ce genre de truc, tu vois. Compétence spéciale, bon, ça sera un peu plus tard, je pense. Hein. Je pense pas qu'ils vont directement balancer du Gogeta. Au début, ce sera Saga Freezer, enfin Saga Namek. Puis il y aura après Cell, après Boo, et ensuite on verra pour les films. Ils vont pas partir dans tous les sens. Peut-être un peu de GT avant, parce que bon, s'ils pensent à la seule unité GT, ça va être chiant, tu vois. C'est dommage. Pareil pour les guerrières, pour l'instant, c'est la seule guerrière. Et c'est la seule unité de la classe GT. Elle est un peu isolée en fait, la Pan. Elle est pas dégueu, hein, mais c'est juste qu'elle est isolée. Elle a juste la classe Saiyan Métis qui pourrait fonctionner rapidement. Alors c'est dommage que Goku, enfin tous les Goku n'ont pas la famille Goku. Et il n'y a pas beaucoup d'unités qui boostent les stats de la famille Goku. On va regarder vite fait un autre Goku. Voilà, ce Goku là. Je crois que peut-être que lui il a un boost. Capacité Z. Non, putain, tout le monde booste la classe Saiyan. Hein. 15% d'énergie de base des classes Saiyan, c'est pas mal 15%. Hein. 15%, où est-ce qu'il y a un autre Goku? Tiens, qu'est-ce qu'il propose Tenshin. Enfin, Yamcha. Qu'est-ce qu'il propose Yamchas. Attribut vert, ok, d'abord. D'accord. Je pense qu'un peu plus tard, on aura aussi des unités qui vont augmenter les attributs plus la classe, du coup double boost. Imagine. Du coup, tu pourrais jouer full vert et full Saiyan vert, tu vois. Ça serait énorme. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais en fait, en voyant un peu tout ça, on peut s'imaginer ce qui peut arriver un peu plus tard. On peut commencer à réfléchir qu'est-ce qu'il y aura comme type de méta. Je pense qu'ils vont aller progressivement, ils vont pas tout balancer d'un coup comme ça. Mais je pense que voilà, au début on aura les capacités Z liées soit à l'attribut, soit à la classe. Mais un peu plus tard, ça va peut-être impacter la classe et la couleur. Peut-être impacter deux classes. Par exemple, comme tu peux le voir, il y a des personnages qui ont plusieurs classes. Alors lui, est-ce qu'il a combien? Il a juste une classe super guerrier. Mais tu vois, Lapin, elle a plusieurs classes. Imagine, tu auras des compétences qui boostent toutes ces classes-là. Bah, du coup, imagine, tu as quelqu'un qui booste tout ça, qui booste les 4 classes. Le 10%, bah, ça devient puissant, extrêmement puissant.
Bon, sur ce, j'espère que vous avez compris le principe de voilà, création d'équipe. Si tu veux voir d'autres vidéos sur Dragon Ball Legends, tu t'abonnes et tu mets un petit pouce bleu, ça me ferait très très plaisir. Et puis, si tu veux voir mes précédentes vidéos, tu cliques sur les playlists au-dessus de ma tête. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Allez.